Depuis le mois d'octobre, les jeunes mécaniciens du Junior Team étaient en atelier pour préparer les motos qui vont disputer le championnat de France de vitesse et les courses d'endurance 2012. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent avec les premiers essais et surtout la présence de pilotes de haut niveau. On est nouveau, on est novice avec des pilotes qui ont beaucoup d'expérience déjà, donc ça met un peu la pression quand même, faut pas avoir le droit à l'erreur. Enfin, faut essayer de pas faire d'erreur, quoi. C'est quand même le but, mais c'est un peu... Ouais, ça met la pression, quoi. Vincent Philippe, champion du monde en endurance, dispute cette année le championnat de Superbike. Depuis 4 ans, il travaille avec le Junior Team et fait totalement confiance aux mécaniciens. Les choses qui semblent naturelles pour un pilote professionnel ne sont pas forcément pour des mécaniciens entre guillemets apprentis qui apprennent vraiment le métier. Donc il faut faire attention à tout ça, mais je crois que ça se passe vraiment bien. Ils font un boulot incroyable chaque année. On est à chaque fois impressionné par le travail fourni et la qualité finalement du travail fourni, puisque à chaque fois ils sont en mesure de jouer les avant-postes, que ce soit en championnat de France ou en endurance. Les 9 mécaniciens vont maintenant partir sur tous les circuits et gérer les motos jusqu'en octobre prochain. Le fait de passer une saison au Junior Team leur donne un atout certain pour être ensuite recrutés par les écuries de pointe. Ils feront leurs premières armes le 31 mars prochain à l'occasion de la première épreuve de Superbike sur le circuit Bugatti.